Nouvelle édition du journal sur votre chaîne, madame, messieurs, bienvenue. Avant de commencer ce journal, nous signalons que nous aurons un invité sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Jacques Kokambaï Kazadi. Il est le secrétaire général adjoint en charge du fonctionnement et organisation du parti politique Action commune pour la République, parti cher à l'honorable député Eliezer Tamboué. Et sans plus tarder, nous entamons directement notre édition du journal. Enfin, la fumée blanche vient de sortir de la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État vient de nommer au poste du Premier ministre Judith Toulouka Souminwa. L'ordonnance portant la nomination de la nouvelle locataire de la primature a été lue ce lundi même sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise par Tina Salama, porte-parole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, notant que depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, la ministre sortant du plan est la première femme à diriger l'exécutif national. Regardez. A été reçu tout à l'heure par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Chilombo. Nous allons avoir ici en exclusivité, en intégralité, le premier mot de la nouvelle première ministre du plan. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre plus cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des six engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses. Mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Là, merci beaucoup.
Comme je viens de l'annoncer, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Jacques Kambaï Kazadi. Il est secrétaire général adjoint en charge du fonctionnement et organisation du parti ACER. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Nous portons très bien, par la grâce de Dieu. Et comme je l'ai dit, nomination d'une femme à la tête du gouvernement, c'est une première en tout cas pour la République démocratique du Congo. Est-ce c'est une surprise? Je dirais ce n'est pas une surprise pour moi. C'était prévisible. C'était prévisible par le fait que quand on a observé depuis un moment donné, surtout depuis le mois de mars, depuis qu'il a commencé, j'ai vu, et c'est toujours d'ailleurs ce qu'on a toujours constaté, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours un autre œil sur la valeur de la femme. J'ai vu de certaines rencontres avec elle, surtout, je crois, le dernier conseil de ministre. Le président de la République a offert à toutes les femmes ministres le bouquet de fleurs. Oui. Moi, j'avais un œil, un peu, c'était un avertissement. Et je m'étais dit, il y a quelque chose qui se cache derrière ce que nous voyons. Toutes les années, il n'a jamais fait. Pourquoi il le fait cette année? Pourquoi il le fait maintenant? Et surtout à la veille. Et surtout à la veille de la publication du nouveau locataire de la primature. Et nous avons conclu que ça pouvait se faire ainsi. Et comme je l'ai entendu de vos propres bouches, que c'est la première fois, et je le confirme que Congo, c'est un grand pays, et surtout nous, dans la SER, je sais que nous en décortiquerons de plus en plus, mais je pense que cet aspect des choses répond à ce que la SER prône. L'Action commune pour la République, mon cher parti, prône sur les valeurs des capables. D'ailleurs, chez nous, on ne s'appelle pas des camarades, mais on s'appelle des capables. Et chez nous, dans la SER, on n'a pas une ligue de femmes. C'est-à-dire, on s'est dit, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, tous, nous pouvons œuvrer pour la bonne marche de ce grand pays. La femme, selon les valeurs qui sont dans elle, la femme convient à gérer aussi cette nation. La femme a gardé l'enfant pendant 9 mois, des fois pendant que l'homme est absent, et l'enfant est venu dans le monde. La femme gère au quotidien. Donner cette charge à une femme, en l'occurrence de Madame le Premier ministre, j'estime que le choix est bon. Et les choses marcheront. Parce que maintenant, c'est la femme qui est à la commande de tout. Donc, on peut comprendre que vous donnez une chance à la femme. Vous espérez que la femme va bien gérer à la tête du gouvernement. Dans la chose relative à la gestion, moi, j'ai toujours parlé un même langage que mon président du parti. Nous pensons que, ici, là, ce n'est pas question de sexe. Ici, il est question de la compétence. Nous avons été à l'école, il y a eu des femmes comme vous qui nous dépassaient en connaissance de la matière estudiantine, par exemple. Il y a des femmes qui brillaient dans certaines matières. Des fois, on s'inclinait devant elles. Et pourquoi ne pas le faire aujourd'hui si Madame Judith est capable de le faire? Je l'appelle capable ministre, capable Premier ministre. Elle est capable et elle va bien gérer ce pays dans la primature. Monsieur Jacques, au regard de son profil ex-ministre du plan, donc il faisait déjà partie de ce sillage-là de membres du gouvernement. Quelles sont les chances accordées à cette dame? Je pense que la première cible pour elle, pour qu'elle réussisse, c'est l'éternel Dieu. Dieu doit l'accompagner. Nous lui souhaitons toutes les chances possibles du monde parce que le pays aujourd'hui a un sérieux problème. Il n'est pas seul le problème en question. Nous avons un problème en rapport avec l'insécurité à l'est de notre pays. D'ailleurs, je ne m'attarderai pas seulement à l'insécurité à l'est. Il y a l'insécurité partout. Aujourd'hui,
il est difficile qu'on sillonne dans beaucoup de nos quartiers, ici à Kinshasa, parce que il y a un phénomène qui a surgi depuis un long moment, et ce phénomène-là, des fois, met mal à l'aise la population. À côté de l'insécurité, il y a aussi l'aspect social. Le social au Congo, aujourd'hui, personne ne peut lever son doigt ou soulever sa main pour dire que je vis mieux dans mon coin. Et tout ça va tomber sur le dos de l'actuel Premier ministre. Elle a beaucoup de défis qu'elle pourra relever. Voilà. Seule, elle ne pourra pas. Mais il lui faut une équipe très forte, que moi j'appellerai encore une fois des warriors, qui doivent avoir le cœur de ce pays, qui doivent avoir le patriotisme en eux. Parce que sans quoi, nous allons vivre le petit même film qui ne nous amèneront pas à un bon sort. Le Congolais aujourd'hui, dans toutes nos 26 provinces, a besoin de vivre comme vivent les autres dans d'autres nations. Je me pose la question des fois, je me dis, quel est le pays dans lequel la souffrance est comme ce que nous vivons dans notre pays? Lequel dans le monde? C'est une question que je me pose. Je n'ai pas encore eu la réponse par rapport à ça. Mais ceux qui sillonnent, ceux qui font des voyages, comprennent avec moi que le Congolais souffre au jour d'aujourd'hui. Il est difficile à un Congolais vivant dans un coin ou dans un autre de se procurer juste un pain. Chose que beaucoup de pays n'ont pas dans leur tête. Chose que beaucoup de pays ont déjà tourné dans leur page. Mais aujourd'hui, les Congolais cherchent encore comment manger, cherchent encore où mettre sa tête, cherchent encore comment s'en sortir par rapport à la santé, cherchent encore comment faire pour que la vie soit quand même aisée. Et alors, Madame la Première Ministre, j'estime qu'elle ne vient pas pour apprendre. Elle ne vient pas faire le stage professionnel. Elle vient devant des problèmes des Congolais que nous sommes. Et alors, j'estime qu'elle a les épaules. Parce que je ne pense pas que c'est une surprise pour elle. Elle doit avoir été contactée. Elle doit avoir été sondée. Et au finish, elle a donné son aval. On ne lui a rien imposé. Elle devait, avant toute chose, voir toutes les réalités que nous avons dans notre pays et se décider par rapport à cette offre qu'on lui a donnée par le président. C'est une grande confiance. Aujourd'hui, une femme à la tête du gouvernement, c'est un exploit pour le Congo, mais qu'elle se rende en compte ce qui va suivre. Monsieur Jacques, quelles pourraient être les attentes prioritaires de tous les Congolais en général avec ces nouveaux gouvernements? En dehors de l'insécurité que nous avons, que nous dénonçons du jour au jour, Madame, j'estime à mon humble avis que le social des Congolais doit être rassuré. Le Congolais souffre énormément. C'est comme si on n'a pas un pays. C'est comme si on ne vivait pas dans un pays qui est dirigé. Non, le pays est bel et bien dirigé. Alors il doit aussi faire un effort d'avoir quel profil des personnes qui doivent l'accompagner. Je l'ai dit, seule, elle ne pourra rien faire. Mais avec l'appui des autres, avec des vrais compatriotes, avec de vraies personnes, de vrais, qui doivent prouver noir sur blanc qu'ils sont dans ce pays, et le patriotisme coule dans leurs veines. Je pense que Madame Judith va donner des exploits dans les jours qui viennent. Monsieur Jacques, pensez-vous qu'avec ces choix du président de la République portés à une dame, est-ce que cela justifie la masculinité positive du président Félix Tshisekedi? Ça n'a jamais été. Je le confirme parce que cette histoire de donner le gouvernement à une femme dans notre pays, ça n'a jamais été. Nous sommes à la soixantaine d'années depuis qu'on a eu l'indépendance. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, madame. Alors, cela prouve que le président, des fois, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il a donné vraiment beaucoup d'attention à la femme. Et j'ai eu
à vivre certains, beaucoup d'activités dans lesquelles le président a participé, les activités relatives à la promotion de la femme, bien sûr. Et je me disais toujours, est-ce que cet homme du président de la République ne pourra pas un jour penser à donner le gouvernement à une femme? Moi, je suis d'accord avec ce qui est fait, parce que ça répond à ce que mon parti prône. Ça répond, parce que chez nous, à la serre, nous n'avons pas de femmes. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. Chez nous, c'est le capable. On est compétent à tout faire et à tout exercer. Donc, nous lui donnons toutes les chances possibles du monde pour que le Congo puisse vibrer. Nous sommes des fois dans les oubliettes, surtout dans nos provinces. Même ici à Kinshasa, il y a des coins où il y a des problèmes sérieux qu'elle-même a déjà énumérés. Puisque quand on dort pas, quand on a des responsabilités. Telle qu'elle est là, elle sait déjà que je suis en train de... Maintenant, elle va à la vieillesse, hein, puisque le poids de ce pays peut lui rendre vieille à la minute. Parce que la charge n'est pas la moindre. Et elle doit comprendre que le Congo l'attend et les Congolais l'attendent. Est-ce, M. Jacques, l'on doit penser à plus de femmes dans ces gouvernements? En tout cas, ça va revenir... à elle-même de se faire le choix. En tout cas, je ne voudrais pas qu'on puisse s'énumérer ou qu'on puisse s'éterniser dans l'aspect femme. Moi, j'estime que le compétent vienne, que les vrais patriotes viennent accompagner Madame la Première Ministre dans cette lourde charge qu'on lui a confiée par le Président de la République. Monsieur Jacques, je reviens vers vous. L'entendant, moi, j'ai poursuivi ce journal. Nous allons revenir pour d'autres sujets d'actualité. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, poursuivons ce journal. Adoption ce lundi 1er avril 2024 du projet de règlement intérieur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, composé de 272 articles. Ce règlement intérieur est élaboré dans l'objectif de moderniser et d'améliorer le fonctionnement de cet organe délibérant. Images et commentaires. L'ambiance était bonne enfance ce lundi 1er avril 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où s'est tenue la plénière d'examen et adoption du règlement intérieur devant régir cet organe délibérant durant cette législature 2024-2028. Après le mot d'ouverture du président du bureau provisoire, Amos Mbokoso, les représentants des Kinois se sont livrés à un débat à fleuret moucheté axé sur la critique du draft du règlement intérieur. Si la commission, parce qu'elle est une commission composée des experts, la commission a travaillé. Si on est un peu bloqué, c'est parce que la commission doit nous dire. Les contenus de chaque prime. Cette prime signifie quoi? On reçoit à quelle occasion? Elle est une commission spéciale composée des agents d'ici qui maîtrisent les secteurs. Cette étape étant donc close, les 37 membres sur les 48 qui composent cette institution parlementaire ont adopté le 272 article de ce projet de loi qui vise principalement la modernisation et l'amélioration du fonctionnement de cette assemblée provinciale. Nous venons là de franchir les trois étapes que nous vous avez accordées. La première, celle de valider le pouvoir des députés pour l'élection. Et pour cela, au nom des ministres, je vous demande qu'on apporte l'article final de l'article 72. Est-ce que cet article est adopté? Je vais l'empêcher. Ils sont pour, à ceux qui sont contre, à ceux qui s'abstiennent. L'article 72 est adopté. Et la séance est... Rappelons que cette étape intervient après la validation des mandats des élus provinciaux de Kinshasa et la cooptation de chefs coutumiers.
Et puis les membres du présidium de la plateforme politique et électorale AAP ont tenu une réunion le week-end dernier à l'hôtel Fleuve Congo Hôtel. C'était sous la présidence de leur autorité morale et président de la plateforme, Tony Kankou. Cette plateforme politique et électorale a réitéré son soutien indéfectible et sa loyauté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en confirmant son appartenance à la majorité parlementaire. Regardez. Déclaration du présidium de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Il s'est tenu ce samedi 30 mars 2024 au Fleuve Congo Hôtel une réunion extraordinaire du présidium de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple, PEP-AAP en sigle. Conformément à l'article 7 de sa charte constitutive du 27 octobre 2023, en présence des présidents de ces cinq regroupements politiques, en l'occurrence Alliance des acteurs attachés au peuple, AAP en sigle, Alliance et l'action pour l'état de droit, AE en sigle, Alliance des mouvements de solidarité pour le changement, AMC en sigle, Alliance pour la réforme de la République, A2R en sigle, et le Front patriotique 2023, FP 2023 en sigle. Sous la haute représentation du président statutaire de Tamarade Nikankou Chikou. Après examen des différents points inscrits à l'ordre du jour, débat et délibération, le présidium de la PEP-AAP fait la déclaration suivante. 1. La PEP-AAP réitère son soutien indéfectible et sa loyauté inconditionnelle à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de la plateforme, et tout en confirmant son appartenance à la majorité parlementaire, elle s'engage à une mobilisation générale et à proposer des réformes à l'avantage du Président de la République et du peuple congolais. 2. La PEP-AAP réaffirme sa solidarité naturelle à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Dans les restes de l'actualité, Joseph Kabila est à la base de l'insécurité qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas les propos tenus par le secrétaire général du parti UDPS, Augustin Kabuya, devant les militants de sa formation politique. Il a par ailleurs affirmé que l'ancien président de la République démocratique du Congo aura pris fuite. Regardez. Bon, on a distraction, on a discours, il y a eu, et ça dernier mandat. Eh, ça mandat, souk. Même avec ceux qui ont mandat, souk. Même avec ceux qui ont mandat, souk. N'indiquez que, eh, il peut se vivre. N'indiquez pas, mais ça n'a pas de samakamunga na zakolo. N'indiquez que, pour qu'il y ait des ressources, kabou ya lobby, baza pour réviser la constitution. N'a pas de lobby bon côté. Vous avez un angaï? Wokanga na mitema na bino boye. Situation otoza nango, c'est toujours Kabila qui est à la base ya makambwa. Très bien parlé mon général. Vous avez Wokanga? Batunaye baloba, Kabila bimaki mo colonie. Bakene na DGM wana. Ayeb sabino DGM ya wapi? Oye a registra ki départ naye. Vous avez Wokanga? Ayeba ki makambu nyonso eza ko Salem. Naye bilobi bakoloba. Oh non, we kabuya ki na lobi. Je confirme ce que je vous dis. Kabila Abimaki a signalé qui même place Tala. Aye pas qui bien que Batunaye, Bakosala Makambouane. Ye Tala, Nazako Lobaboye. Il ne peut se vivre. C'est quoi Nazako Yem Sabino vérité à l'Ekambouane? Ye, il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Kabila. A Sengela qui bananga wana et pas un dirigeant africain mokoboy pour appuyer Bango avec tous les moyens logistiques et financiers. Vous avez la nangaï? Bino Boti Bolonga ba distraction na bino wana. Bota lango bien. Bota la yango bien. Nasna et Sabino place oyo. Nazalaki, en Afrique de l'Ouest.
Bayambakanga et pas président Niger. Na wazalaki na ebonga, na wazalaki na. Les gestes que nous posons fragilisent et excluent les autres sont parmi les raisons qui motivent l'adhésion de certains Congolais à la rébellion. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le cardinal Fritonlé Ambongo dans son homélie à l'occasion de la célébration pascale le dimanche dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Suivez. Au-delà des discours complètement inutiles, la réalité est que les autres continuent à avancer et à occuper l'est de notre pays. C'est une évidence pour la simple raison que le Congo n'a aucune force pour défendre l'intégrité de son pays. Un éléphant au pied d'argile. Et nous tenons des discours ici comme si nous étions forts. La vérité, c'est que le Congo n'a pas d'armée. Et c'est très grave pour une nation comme la nôtre. Comment voulez-vous une partie du pays qui est occupée, attaquée de l'extérieur, mais nous, au niveau de Kinshasa, siège des institutions, nous continuons à poser des gestes, des actes qui ne vont pas dans le sens de la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Nous savons très bien que notre pays est aujourd'hui un pays en agonie, un grand malade dans un état comateux. Voilà, je reviens à vous, monsieur Jacques Kambayi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du parti ACER. Alors, dites-nous comment se porte le parti ACER, parti cher à l'honorable député Eliezer Ntamboué. Le parti Action commune pour la République, ACER en sigle, se porte merveilleusement bien. Pourquoi merveilleusement bien? Parce que nous sommes à une année et six mois de notre existence. Le parti s'est aligné dans la course électorale. Nous avons dans notre sein au moins 7 députés nationaux. Et 8 députés provinciaux. Et plus de 9 à 10 députés, comment 10 conseillers municipaux. Le parti est trop fier de ce que nous avons donné comme résultat. Ce n'était pas ça même nos attentes. On devait aller plus loin. Parce que moi qui vous parle, j'étais aussi candidat au niveau de la députation nationale et provinciale pour le compte du Kasaï central, à Kananga précisément. Et comme les élections, c'est un caractère relatif au jeu démocratique, nous avons compris que les choses n'ont pas été à la réponse de nos attentes et nous nous préparons pour le jour qui vient. Mais du moins, pour le reste, le parti vit son bon temps et nous sommes en train de penser comment nous réunir avec les nôtres pour le reste du travail que nous devons amorcer. Et pourquoi pas préparer ce qui nous attend selon nos prérogatives au sein du parti. Monsieur Jacques, ce dernier mois, vous avez enregistré plusieurs adhésions, là il faut les dire, parce que notre équipe de reportage vient souvent. Vous avez enregistré plusieurs adhésions, comme je viens de les dire. Comment procédez-vous à encadrer ces nouveaux membres au sein du parti? Le parti a une structure que nous appelons école du parti. Si je peux me référer à l'église, c'est une structure relative à l'affermissement de la foi. Il y a des animateurs dans cette structure, c'est vrai, ils viennent chaque samedi, mais en dehors de ça, l'école continue à faire son travail. Parce que quand il y a un nouvel adhérent, ça ne suffit pas de l'enregistrer, il faut aussi l'encadrer. Il faut aussi lui donner la matière. Parce que dans la serre, c'est toute une machine de transformation. On peut venir avec une couleur,
mais on n'y restera pas avec la même couleur et on ne sortira pas de la serre avec la même couleur. Quand on vient, nous vous prenons en charge. D'ailleurs, je me pose la question pourquoi tout le journal télévisé Tokomiwapi n'adhère pas au parti Action commune pour la République. Je vais m'investir quant à ceux. Mais du moins, c'est l'un des vrais partis. Je ne dis pas des bons partis. Je dis l'un de vrais partis. Chez nous, c'est le vrai. Et le vrai se retrouve dans le patriotisme. Et quand on est patriote, on aime son pays. On aime le dirigeant de ce pays. Parce que le jeu démocratique nous a prouvé noir sur blanc que ce pays doit être gérable par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que voulez-vous d'autre? Qui est-ce que vous voulez qu'il soit à la place de celui qui le gère aujourd'hui? Les élections se sont passées. Et dans des conditions telles que nous les avons tous constatées. Nous l'avons tous constaté. Mais aujourd'hui, on n'est plus là dans ça. Nous sommes aujourd'hui dans comment faire pour que le pays devienne stable dans tout ce qu'il faut. Voilà la lutte qu'a Action commune pour la République avec ses siens. Chaque fois qu'on se retrouve, on ne parle de rien d'autre que la nation congolaise. Donc nous sommes les vrais patriotes et ceux qui viennent pensent que... Parce qu'on ne peut pas venir de soi-même si on n'a rien entendu. C'est vrai. Là où ils sont, dans des émissions, dans chaque chose qu'on peut arranger, qu'on peut harmoniser, qu'on peut mettre sur pied pour que l'autre puisse être informé de ce que fait ACR, on a des gens qui viennent. Et quand ils viennent, ce sont des camarades. Quand ils viennent, ce sont nos frères. Quand ils viennent, ce sont nos sœurs. Ce sont nos professeurs. Ce sont tout ce qu'ils peuvent être. Mais dès qu'ils sont à l'intérieur de l'Action commune pour la République, toutes ces appellations disparaissent pour qu'ils adhèrent et qu'ils prennent la nouvelle appellation. C'est comme un baptême. Tu n'étais pas chrétien, tu viens à l'église, on te baptise, tu deviens chrétien. Alors, tu n'étais pas capable, quand tu viens chez nous, on te baptise, tu deviens capable. Même si tu ne le voudras pas, on va te le rendre, vouloir ou pas, vous deviendrez capable parce que nous avons toute une machine qui va fabriquer les nouveaux capables. Vous avez dit que votre parti est jeune. Est-ce que vous êtes jusque-là satisfait de travail déjà réalisé? Nous ne sommes pas totalement satisfaits parce que il faut que tous les Congolais deviennent des vrais patriotes. Nous avons cette fameuse réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Un président d'appui à une grande structure démocratique qui se transforme en rebelle contre sa propre nation. Et on apprend qu'il y a encore d'autres jeunes qui se mettent sur leur chemin pour rejoindre cet homme de président de l'ancienne CENI. Allez-vous comprendre que nous avons atteint déjà notre objectif? Non, on est en cours. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour qu'ils comprennent que nous n'avons que ça comme nation. Nous n'avons que ça comme pays. Vous prenez les armes pour en faire quoi? Et qu'est-ce que vous réclamez au finish? Quand on a des réclamations à faire, on s'aligne lors des élections. Dites ce que vous êtes et ce que vous voulez faire aux personnes qui donnent le pouvoir aux autres de gérer. Parce qu'on ne gère pas soi-même. On ne peut pas dormir, on se réveille, je deviens qui que je veux. Non! On le devient au travers un processus déjà établi et prévu par notre constitution. C'est honteux. Et ça nous fait même mal au cœur quand on en parle. Ça ne pouvait pas être des sujets d'actualité. Non, ça pouvait être vraiment dans l'histoire. À une certaine époque, il y avait ça. Mais aujourd'hui, on voit de telles personnes. Ah, nous avons un grand travail à faire, madame. L'Action commune pour la République a un grand travail à faire. Même dans son sein, même à travers ceux qui sont à l'extérieur du parti. Je dis bien que l'Action commune pour la République, c'est le vrai parti politique qui va nous amener à un bon port.
En parlant du grand travail à faire, quels sont les projets d'avenir? Le projet d'avenir, le plus grand projet d'avenir, c'est mettre le patriotisme dans tous les Congolais. Parce que le patriotisme, c'est un concept, c'est un mot, hein. Mais quand il faut entrer dans le détail, il y a plein de choses qu'il faut énumérer. Il faut énumérer beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours dit, comment on peut être patriote? On aime encore la monnaie étrangère en lieu et place de la monnaie locale. Ça, c'est déjà une histoire dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est déjà une histoire. Donc, c'est déjà dépassé. Il y a des jeunes ou des mamans qui vivent en Afrique du Sud qui n'ont jamais vu le dollar comme ça. Ils ne connaissent que leur monnaie locale. À quand cela sera fait pour notre cher pays Congo démocratique? Quand est-ce qu'un Congolais comprendra que je dois donner de la valeur à ma monnaie qui est le franc congolais à la place de la monnaie étrangère? À quand cela sera possible? C'est un grand travail que nous avons. Et c'est le travail qu'a aussi notre premier ministre qui vient d'être nommé. Nous devons inverser les valeurs. Parce qu'on doit prendre. C'est ça même ce qu'il faut faire. Le président du parti Action Commune pour la République, capable, honorable président Eliezer Ntamwepoche Charmant, tous ces jours ici, on peut se mettre à 2, à 3, à 5 dans l'échange patriotique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous devons mettre ensemble ce que tu es et le pays. On ne dissocie pas l'être humain congolais avec son pays. Ceux qui vont à la rébellion, on sait comprendre que ils se sont dissociés de notre nation. Mais quand on est congolais, on est là, même s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, auxquelles nous ne sommes pas d'accord. On ne prend pas les armes pour mettre de l'ordre, madame. On ne prend pas les armes pour détruire ce qui existe. Vous voulez tuer qui? Avez-vous mis au monde les enfants ou les hommes et les femmes dans toute cette contrée-là pour que vous reveniez avec les armes et les tuer? Ce sont les enfants d'autrui. Ils appartiennent dans des familles respectives. Mais vous venez, tout bonnement, vous prenez les armes pour les tuer. Parce qu'ils vous ont fait quoi? Et quand vous avez, ils ont la facilité de voir le sang d'un être humain couler. Non mais, c'est inexplicable. Et ça dérange. La vraie histoire qu'on dira à nos enfants, c'est celle-là. Non. On vous a demandé, allez-y dans le processus électoral. Vous vous êtes senti peut-être mal à l'aise. Et vous avez dit, nous ne partirons pas dans ça. On ne marchera pas ensemble avec ceux qui le font. D'accord. Mais soufflez, comprenez que les choses doivent se passer de telle manière. 5 ans, c'est pas trop. Attendez, ça va venir. Qu'est-ce qui vous pousse et aller plus loin, prendre les armes? Donc, le grand projet que l'ACER a aujourd'hui, c'est d'imposer, c'est de mettre dans tout Congolais l'esprit patriotique. On doit aimer ce pays. Nous n'avons que ça. Nous n'avons que ça comme nation. Et nous devons l'aimer. C'en est fini avec vous, monsieur Jacques. Merci pour votre disponibilité. Capable Jacques Kambaye. Capable Jacques Kambaye. Nous vous disons merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous dis merci. Poursuivons ces journaux, madame, messieurs, clôture ce lundi 1er avril du séminaire de recherche organisé à l'école des criminologies de l'université de Kinshasa portant sur le thème pour une étude empirique rigoureuse des modernités. Les matinées scientifiques ont été animées par les professeurs franco-nigériens Jean-Pierre Olivier de Sardan. Images et commentaires avec Grévis Tekilazaya. Pour une étude empirique rigoureuse des modernités, tel est le thème au menu de matinées scientifiques organisées à l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. Durant 5 jours, les chercheurs, doctorants et professeurs ont été suffisamment outillés des enseignements dispensés par le professeur Jean-Pierre de Sardan.
présente à la clôture de ces assises pour la remise de brevets aux participants, Dr Yanjou Marie-Claire, secrétaire générale à la recherche, a salué l'initiative de l'école de criminologie. Les cinq jours de recherche et de matinée passées ici font vraiment valoriser la recherche chez nous parce que effectivement le thème est même abordé. Donc, fait que c'est de l'empirisme qui naissent toutes les théories, les notions pratiques des sciences. Et si on ne passe pas par cette démarche-là, c'est qu'on ne sait pas faire la recherche. Et pour moi, c'est une fierté de voir que par des initiatives, des facultés ou des centres de recherche, on s'engage résolument, nous tous, dans le développement de notre pays. Même satisfaction de la part du professeur Raoul Kienge-Kienge, directeur de l'école de criminologie. C'est vraiment très enrichissant sur le plan méthodologique, sur le plan épistémologique. Et nos doctorants et nos chercheurs ont vraiment été outillés pour produire de la connaissance valide, de haut niveau, sur les modernités africaines, sur en fait les situations problématiques que nous vivons en RDC et dans d'autres pays africains, notamment les questions de corruption. De son côté, Jean-Pierre de Sardan a loué la qualité des échanges. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y avait un vrai dialogue, une vraie perception des difficultés. On a un peu les mêmes problèmes, disons, dans les thèmes de recherche au Niger, puisque c'est du Niger que je viens, et en RDC. On partage beaucoup de choses, en particulier dans l'analyse des services publics que nous avons fait au Niger. On retrouve un certain nombre d'éléments communs avec ce qui se passe ici et dans le souhait des chercheurs de contribuer à améliorer la qualité des services publics. C'est aussi le vœu commun qu'on a, nous, au Niger et ici, l'école de criminologie. Organisée du 25 mars au 1er avril, ces matinées scientifiques ont également connu la participation de l'honorable Eliezer Ntamboui Mpochi, cinquième criminologue de l'UNIKIN, dont le master a été brillamment défendu le mois dernier. Parlons sport à présent. Pour clôturer cette session d'information, l'AS Maniema a cédé les dimanches derniers au stade Joseph Kabila de Kindu un match nul face à l'AS Vœux Club dans les cadres de la sixième journée de la phase de play-off. Dans une rencontre riche en émotions et occasions, les deux équipes se quittent sur un score vierge et stagnent la deuxième place aux 10 points dernier, derrière le TP Mazembe. Regardez. L'AS Maniema Union et l'AS Vœux Club se sont neutralisés sur un score vierge. Dimanche 31 mars au stade Joseph Kabila de Kindu, en match de la sixième journée des playoffs du championnat des premières divisions de la Ligue nationale de football. Dominateurs tout au long de la rencontre face aux Verts et Noirs de la capitale, les unionistes se sont procurés plusieurs occasions d'escorer que leurs adversaires, mais ont échoué dans la finition. 0 but partout et les scores qui a sanctionné la partie au coup de sifflet final. Ces résultats nuls permettent aux deux équipes de totaliser chacune 10 points au classement derrière les TP Mazembe qui garde sa première place avec 12 points après 4 matchs joués. C'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous pour la fidélité et bon mois d'avril à tous. Au revoir. Thank you.